Organisé à Niou, dans la province du Kouroué-Ogo, commune située à 60 km de Ouagadougou, le festival Feu de Bois repose sur une programmation musicale typiquement autochtone. Une opportunité pour les populations de la localité et les nombreux festivaliers de cohabiter avec le profane et le sacré, mais aussi d'apprendre et de s'enrichir d'autres cultures, à l'instar des troupes venues de Bobo-Dioulasso et du Togo voisin. Alors, feu de bois, parce que c'est comme on dit autrefois, autour du feu, on se racontait des histoires. Autour du feu, on transmettait les messages. Autour du feu, c'était l'heure du dire, c'était l'heure du donner et du recevoir. Le canal par lequel on transmettait les savoirs et les savoir-faire traditionnels, les savoir-faire ancestraux. Le festival, qui est à sa 4e édition, se tient du 2 au 5 novembre 2018. Pour avoir bénéficié de la caution morale des autorités, plusieurs personnalités politiques et culturelles ont pris part au lancement des festivités. Tout le monde sait que ce n'est pas facile de tenir un festival, surtout dans une commune rurale, si on peut dire. Et un festival qui se veut aussi international, puisqu'on a vu des troupes d'autres pays. Et on a assisté à de beaux spectacles. Je pense que c'est la preuve qu'on peut réussir des choses, pas seulement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, mais un peu partout. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la particularité du Burkina. Il y a un foisonnement culturel dans ce pays. Né des journées culturelles de Niou, Feu de Bois est aussi un tremplin pour la formation de jeunes talents artistiques qui ambitionnent à conquérir les scènes de la Semaine nationale de la culture.